Wie viel Sand gibt's auf der Welt? Wieso ist Sand so wichtig? Pour ton remplacer le sable par autre chose. 7,5 trillions de grains de sable se trouvent sur les plages de la planète, selon une étude. Un nombre infiniment grand qui ne tient pas compte des grains de sable dans le désert. C'est la ressource naturelle la plus utilisée après l'eau. Le sable se retrouve partout, dans le savon, les puces électroniques des ordinateurs et smartphones. Il sert à fabriquer du verre et bien sûr à la préparation du béton pour la construction de bâtiments. L'exploitation du sable crée d'immenses trous dans les paysages, impossibles à reboucher. Comment est-ce qu'on extrait le sable? Quelles conséquences a l'exploitation du sable pour l'environnement? L'industrie utilise des excavatrices ou des machines aspirantes. Le sable est chargé sur des camions ou des bateaux pour être transporté. Ici, dans le delta du Mékong, les rives s'effondrent. Des villages sont inondés. Les courants augmentent tout, comme la teneur en sel dans l'eau. Et sous l'eau, les fonds ressemblent à des paysages lunaires. Toute la vie y a été détruite. Comment a-t-on construit, à partir de sable, une île en forme de palmier près de Dubaï? Wieso nimmt Dubai Sand vom anderen Ende der Welt? Wird mal so viel Sand nach Dubai transportiert? Il peut paraître surprenant que Dubaï, ville sur un territoire désertique, manque de sable pour construire son île artificielle. Oui, mais voilà, le sable du désert est trop fin et lisse. Pour la construction, il fallait des grains anguleux comme ceux du sable marin. Lorsque Dubaï a fini par épuiser ses propres ressources, des cargaisons de sable ont été importées d'Australie. Au total, 186,5 millions de mètres cubes ont été engloutis dans cette île de luxe. Combien coûte le sable? Peut-on remplacer le sable dans la construction par autre chose? Ces jeunes Indiens risquent leur vie en plongeant avec des seaux pour rechercher du sable. Ils sont payés 15 euros par jour, soit près de 4 fois plus que le salaire moyen quotidien dans la région. Le prix du sable dépend du marché où il est vendu et du type de sable, s'il est fin ou s'il est gros. Pour le remplacer, on pourrait recycler des gravats, par exemple. Aujourd'hui, des chercheurs étudient le sable du désert pour le rendre compatible à la construction. Mais ces solutions plus douces pour l'environnement coûtent plus cher.